Alors, on est de retour sur Choc FM 105.1 à Toronto, au Salon du Livre de Toronto. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Suzanne Kenigan, c'est ça qu'on dit? Oui, Kemenan. Kemenan, qui est la directrice des éditions Terre d'accueil. Oui, c'est bien ça. Alors, bonjour Suzanne. Bonjour Gabriel. Alors, c'est votre première participation, je crois, au Salon du Livre de Toronto. Oui. Et qu'est-ce que vous nous apportez ou qu'est-ce que vous nous amenez avec vous là? Alors, les éditions Terre d'accueil, c'est une maison d'édition francophone qui a été créée il y a un an. Mm-hmm. Et le mandat des éditions Terre d'accueil, c'est vraiment de faire la promotion de l'immigration au travers des auteurs, donc de mettre en avant les talents des immigrants, et toute origine confondue, bien mm-hmm. entendu. Et c'est vraiment souligner la contribution de l'immigrant au développement de sa société d'accueil. Alors, avec les éditions Terre d'accueil, nous publions essentiellement des ouvrages de non-fiction, mm-hmm. Biographie, développement personnel, guide pratique, et aussi des livres en croissance personnelle et spiritualité. Alors, nous avons aussi un volet projets spéciaux. Alors, ça peut être de l'accompagnement, la gestion de projet, et puis tout cela en français. Alors, ça c'est une chose intéressante parce qu'il y a beaucoup d'auteurs. En fait, il y en a deux qui sont venus nous voir. Je t'en ai envoyé une tout à l'heure. Okay. Qui, justement, cherchent de l'accompagnement pour la publication de leurs ouvrages. Donc, Terre d'accueil offre ce genre de service-là. Définitivement. Donc, on prend le projet de l'idée là, mm-hmm. jusqu'à ce que le livre final soit produit. Et on constitue une équipe tout au long là, qui va travailler avec la personne. Donc, vous offrez tout le service d'édition, de correction, de relecture et tout ça avec les soins. Oui. OK. Est-ce que jusqu'ici, est-ce que vous avez des œuvres qui ont été publiées par Terre d'accueil ou pas encore? Pour le moment, Terre d'accueil, on travaille avec deux organismes, justement dans le cadre des projets spéciaux. Mm-hmm. Alors, l'un, c'est Épelle-moi Canada, oui. qui produit un recueil de poèmes dans le cadre du 50e de la loi sur les langues officielles. Il va sortir au mois de février. Ça s'appelle « Le poème de ma langue, la voix de la jeunesse ». Ah, super. Alors, c'est 20 jeunes enfants de 9 à 14 ans qui ont rédigé des poèmes cet été. Et tout ça sera combiné dans un recueil de poèmes. Et puis, le deuxième projet, c'est avec l'ACEI, l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Alors, c'est un organisme à but non lucratif au Canada. C'est des enseignants immigrants pour la plupart des membres. Et nous sommes en train de travailler sur la production d'un guide qui va accompagner les étudiants au programme d'éducation à l'université et qui va leur donner les outils pour affronter la salle de classe. Donc c'est un espèce de guide pédagogique. Oui, mais c'est un guide plus de conseils, un guide de référence, d'outils, mais c'est avec les enseignants immigrants qui sont déjà passés par les défis auxquels font face les nouveaux enseignants. Donc, lui, il sort au mois de juin 2020. Dieu seul sait combien il y a de défis auxquels font face les enseignants et les enseignantes issues de l'immigration. Je le sais parce que j'ai travaillé quelque temps au ministère de l'Éducation et était assez en contact avec, entre autres, des groupes d'enseignants comme ça à Ottawa. Oui. J'en ai entendu. Là, on a réussi à avoir 10 enseignants mm-hmm. avec diverses expériences et de diverses origines qui ont partagé vraiment tout ce par quoi ils sont passés. Mais aussi, c'est ça qui va permettre qu'ils outillent les autres et les préparer à éviter certaines situations. Okay. Et au niveau de la maison d'édition, comment est-ce que vous faites pour aller chercher les nouveaux auteurs et vous faire connaître Terre d'accueil? Mais Terre d'accueil, je dois déjà dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai suivi le programme à l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. C'est un DESS en édition. Et j'ai retrouvé mon ancien directeur de programme, M. René Brisson, qui est maintenant le directeur général du MC. Oui. Par lui déjà, j'ai pu être en contact avec le milieu francophone en Ontario. Il y a aussi un réseau personnel et puis beaucoup de démarchages. Donc, j'ai gardé des contacts avec des anciens enseignants, avec mon ancienne directrice de stage, Mme Isabelle Quentin, qui mm-hmm. est éditrice à Montréal. Et c'est vraiment aussi beaucoup de bouche à oreille.
Donc, tout doucement, je fais connaître la maison d'édition dans la communauté. Les réseaux sociaux aident aussi beaucoup. Et aussi, votre présence au salon, oui, sans doute, va contribuer à faire connaître davantage. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue aujourd'hui et jusqu'à samedi. Et si les gens veulent prendre contact avec vous, comment font-ils? Alors, ils peuvent déjà venir au salon. Oui, on les invite, oui, surtout à les adultes et les auteurs et en devenir. Oui, oui, parce que je pense que c'est aussi la meilleure façon de rencontrer les personnes et de discuter avec elles. Oui. Et puis, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, LinkedIn également, et puis sur Twitter. Alors, c'est Terre d'accueil, donc, et le site internet, c'est www.terre-d'accueil.com. Donc, c'est facile à retenir, c'est le même nom. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Ben, merci d'être venu nous rencontrer. Puis, bonne chance avec les projets futurs. Puis, merci. J'ai très hâte de voir les livres qui vont sortir. Oui, j'espère que je travaillerai avec vous. Ben, absolument, ça me ferait absolument plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, nous, on était encore en direct avec Thierno, ici, au Salon du Livre de Toronto. On vous invite tous à venir nous rencontrer. On est ici jusqu'à samedi après-midi.